Alors, bonjour à tous et merci. Toujours être fidèles et nombreux et au rendez-vous. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à Freedom News Network, faites-le, vous n'allez vraiment pas le regretter. Vous allez vous retrouver avec une grande famille, des plus accueillantes et des plus généreuses. Heureux de vous retrouver, 31 mars 2020, 15h10, heure du Québec. Nous autres, on le savait, quelque chose était pour arriver, que quelque chose, comme disait ma mère, nous pendait au bout du nez. C'était juste une question de savoir exactement quoi, quel était cet élément qui déclencherait tout. Bien, on l'a vu, hein, puis je l'avais dit en 2019, préparez-vous, 2020, ça va être vraiment une année cruciale. Et beaucoup de changements vont avoir lieu, politiques, financiers, économiques. Donc, si tu m'avais suivi, et si tu m'avais écouté, et écouté plein d'autres qui disaient ça aussi, de te préparer au pire. Moi, souvent, je dis préparez-vous au pire, parce que quand le pire arrive, t'es pas pris de panique. Et là, on le voit, c'est le plus bel exemple, parce que c'est frais, c'est là, ça se déroule devant nos yeux, mais à chaque événement majeur, c'est pareil. Les gens qui ne sont jamais préparés, ils pensent que rien leur arrivera, que c'est toujours aux autres que ça arrive, et que c'est impossible que ça arrive ou que ça nous arrive à nous. Bien là, ils se sont fait attraper avec cette folie, cette crise actuelle qui nous amène dans un lockdown total. Oubliez le virus. Un instant, on est presque 8 milliards à être confinés dans une espèce de d'ambiance de loi martiale, avec des règles, des punitions extrêmes pour ceux qui violent les règles. Et tu as la majorité de la population qui n'était pas préparée, qui ne s'attendait pas à ça. Parce qu'on est naturellement dans notre routine. On est programmé à fonctionner dans notre routine et on pense que tout ça, c'est garanti à vie. Et là, tu vois toute l'hystérie de tous ceux qui n'étaient pas prêts. Et là, qui panique, qui veulent des médicaments, blablabla, moi je veux des médicaments, je veux des médicaments, là, ça porte des gants, ça se prend, j'ai peur, qu'est-ce qui va nous arriver, parce que ces gens-là s'attendaient pas au pire. Ceux qui s'attendaient au pire, comme moi et vous, le pire est arrivé, pas de panique. On n'est pas paniqué parce qu'on sait que le pire était pour arriver. On est capable de rationaliser parce qu'on n'a pas l'émotion du choc. Donc, on est capable de rationaliser que tu as juste à te laver les mains, à faire attention à ce que tu fais. Tu n'es pas obligé de te porter un uniforme antiviral, des gants, des masques, parce que là, ils sont dans l'hystérie, parce que les autres, ils sont dans la phase de l'hystérie parce qu'ils n'étaient pas préparés. Et ils vont rester dans cette phase-là longtemps, tant que cette crise-là va durer. Et après aussi, ils auront probablement après ça développé une phobie. Alors que nous, on le savait que quelque chose arriverait. On ne savait pas quoi précisément. Mais dès que tu sais qu'il y a quelque chose d'énorme qui va changer fondamentalement ton mode de vie, je vous l'avais dit, ça fait des années, mais surtout depuis 6 mois, je vous dis, jour après jour, changements financiers, sociologiques, gouvernementaux, économiques. Mais c'est tout ça qui est en train de changer maintenant. Mais nous autres, on le savait, donc on n'a pas la phase du choc. Et c'est ça que je veux dire par « préparez-vous au pire ». C'est que tu n'as pas la phase du choc. Tu le sais que les mauvaises nouvelles, c'est inévitable, c'est inéluctable dans la vie. Les catastrophes, c'est inéluctable aussi. Ça va arriver quand? Dans la période de 50, 60, 70 ans où tu seras présent sur Terre. On ne le sait pas précisément, mais tu le sais que ça va arriver. Il faut que tu saches que ça va arriver. Que le ciel va te tomber sur la tête un jour. Et que si tu es préparé à recevoir le ciel sur la tête, quand il te tombera sur la tête, ben, tu diras au moins, je m'y attendais, ça a été plus long que prévu. Tu n'as pas la frénésie de l'hystérie, du choc. Et regarde tous les gens qui sont autour de toi, incapables de se contrôler parce qu'ils ont été pris par surprise. Parce que c'est eux qui dormaient en paix, ils ne pensaient jamais qu'un voleur viendrait leur dérober leur routine pendant la nuit. Alors, c'est écrit, ça, dans les Écritures. Mais je vais vous revenir avec les Écritures, c'est vraiment formidable. Mais là, je voulais seulement vous faire une petite publication pour vous faire comprendre ce que ça voulait vraiment dire. Préparez-vous au pire. C'est que quand tu es préparé au pire, puis que tu l'as toujours en tête à tous les jours, que bon, aujourd'hui, je me réveille, je me prépare au pire, à la pire nouvelle. Si elle ne vient pas aujourd'hui, ben, au moins, tu auras passé une belle journée. Et si elle vient, ben, tu seras un des seuls qui ne sera pas
dans l'état de folie et de crise et d'hystérie, et tu pourras manœuvrer. Alors que tous ceux qui sont pris de la crise d'hystérie actuelle parce qu'ils n'étaient pas préparés, sont prisonniers de cette hystérie et ne peuvent pas fonctionner. Je vous reviens finalement avec Stromboli. C'est à peu près temps, hein? Maudit que j'ai une grande trappe, mais je n'ai pas le choix parce que quand j'ai quelque chose à vous dire, il faut que je le dise maintenant. Parce que moi, je ne m'enregistre pas puis je ne prends pas de notes. Je suis vraiment échevelé. D'ailleurs, je suis vraiment échevelé aussi là maintenant parce que j'ai fait ma petite séance de yoga. Je vous retrouve pour le Stromboli.